C'est pas Emma Louis qu'elle a là. Non, Emma Lolo, ça t'a laissé, hein? Ça t'a laissé. La chirurgie a commencé à te laisser. Non, tu n'es pas belle. Là, là seulement, là, tu n'es pas belle. Les gens qui vont te dire que tu es belle, les gens qui vont dire, waouh, quelle beauté là, c'est des hypocrites. Ils ne t'aiment pas. Malgré tous les longs maquillages, les longs fonds de teint, les longs make-up. Mais cette fois-ci là, make-up là, laissez ton visage. Ah oui, c'est-à-dire pas d'arachide, ils ont pris pour déposer sur ton visage là. On peut faire ça? C'est quel lourd maquillage? La chirurgie a commencé à te laisser. Quand on va parler, les gens vont dire oui, tu es jalouse. Oui, pauvre, c'est parce que tu n'as pas l'argent de chirurgie que tu parles. Maintenant, celles même qui ont l'argent de chirurgie là, regardez. Regardez comment c'est en train de sucer son sang. Regardez son visage. Ah oui, parce que tu regardes le visage de Emma Louès actuellement là, on dirait une vieille de 90 ans. À force de faire chirurgie, on peut être complexé comme ça. On peut être complexé de son corps, de sa vie. C'est de la complexité. Parce que quand tu n'as pas confiance en soi, tu trouves que rien ne va sur toi. Emma Louis a gâté sa beauté. On ne sait pas qui lui donne des conseils. Elle n'a pas de bons conseillers. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, là, elle se plongeait dans comment on appelle, chirurgie. Et aujourd'hui, elle est devenue accro. Elle est devenue accro à la chirurgie. Et regardez comment c'est en train de la rendre. C'est plus Emma Louis d'avant. Ah oui. On a perdu notre Emma Louis d'avant. C'est Emma Jackson. Emma, pardon. Il faut manger un peu. Même si on dit qu'il faut faire régime là. Mais pardon. Mange un peu, tu vas avoir un peu de chair sur ton visage. Voilà, ton visage est devenu sec comme ça. Il n'y a même pas de chair. Tout est devenu creux. Bon, qui t'a blagué même de faire régime? Tu as perdu ta vraie beauté. Ta beauté naturelle est partie. Ça, c'est beauté plastique qui est restée. Cette beauté qu'on voit là, ça, c'est beauté plastique. C'est plus la beauté réelle. C'est plus la beauté que Dieu t'a donnée. Ça, c'est l'habillage qui est resté. La vraie beauté a disparu. C'est l'habillage qui est resté. Pourquoi se faire autant de mal? Ça, c'est la souffrance. Parce que quand tu es accro à quelque chose, tu ne peux plus arrêter. Un fossile, on dirait un parachute. Malgré tout ça, là, ça t'a laissé. Chirurgie, là, ça t'a laissé. Aujourd'hui seulement, ça t'a laissé. Arrête de faire du mal. Arrête de te détruire. Parce que là, tu es en train de te détruire. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi. On sait que tu regrettes aujourd'hui d'avoir gâté ton corps, d'avoir fait toutes ces chirurgies. Tu regrettes, mais c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tout ton corps a été transformé en Michelin. Tout ton corps a été transformé en Michelin. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut souffrir comme ça dans sa chair. On peut avoir l'argent. Et puis être malheureuse comme ça. On peut avoir l'argent et puis souffrir dans sa chair. Non, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Parce que là, c'est pas un malheureux qu'on connaît. Hein. Parce que là, tu es fini. Et comme tes abonnés hypocrites, tes abonnés ne t'aiment pas. Vous, les abonnés de Emma Louis, qu'on aime que ce qu'on lui dit la vérité. On lui dit la vérité parce que là, elle est en train de disparaître. Vous la poussez à sa tombe. Vous l'encouragez encore plus dans les bêtises. Parce qu'elle apparaît, waouh, tu es belle. Quelle élégance, quelle forme. Pourtant, vous sachez que c'est pas ça. Pourtant, vous savez que là, c'est pas trop à faire. Mais vous êtes obligé dans l'hypocrisie pour l'encourager. Et voilà. Voilà le résultat.
La chirurgie est en train de sucer son sang. La chirurgie est en train de la finir. Elle ne sait pas. Elle pense qu'elle fait du mal à qui? Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, hein? Tu fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Même Kim Kardashian, qui est la patronne des chirurgies, elle n'est pas devenue comme ça. Même Kim Kardashian, qui est la patronne des chirurgies synthétiques, elle n'est pas devenue comme ça. Emma Louise, il faut manger un peu. La chair va venir sur ton visage. Sinon, là, franchement, ça c'est triste. Ça fait pitié. Vraiment, quand on aime quelqu'un, on lui donne des conseils. C'est ça, on dit aimer une personne. Il faut te revoir. Parce que là, j'étais en train de finir. En tout cas, j'ai fini de parler. Hein. Un homme en vertu à vous deux, ma baisse-gueule. Sur ce coup, notons que Emma Louise s'est littéralement trompée. Vous voyez, la chirurgie esthétique est ressortie. Bon, elle a voulu bien sûr maigrir. Elle a voulu faire des régimes et tout. Et ça n'a pas marché. C'est tourné bien sûr au vinel. Vous voyez. La dame là est en train de crier, bien sûr, sur Emma Louise. Bon, sur la toile actuellement, on apprend que Emma Louise est en train de répondre aux gens en disant que bon, c'est parce qu'eux ne sont pas riches, qu'ils ne sont pas allés faire la chirurgie, tout ça là, vous voyez. Il faut que Emma Louise puisse retrouver de l'embonpoint. Il faut qu'elle puisse commencer par manger, parce que faire des régimes et maigrir. C'est vrai que quand les femmes maigrissent, bon, ça sort un peu leur beauté, tout ça là. Mais ta beauté, elle n'est plus naturelle. Tu as travaillé sur ton corps et c'est ce qu'elle avait oublié, et bien sûr, en faisant bien sûr tout ça là. Et voilà, il y a des photos qui sortent, bien sûr, et Emma Louise ressemble à une vieille dame, elle a été défigurée complètement. Donc, c'est un peu ça, et la dame est en train de crier fort par rapport à cela. Vous allez laisser vos avis en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Ce qui est sûr, bon, moi je ne vais pas interdire la chirurgie esthétique à quelqu'un, mais bon, sur ce coup-là, Emma Louise, vraiment, il faut revoir tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez, bien sûr, donner vos avis par rapport à cela, et on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Tout à l'heure, ciao.